disque panoramique, on refait une séance à Coulanges mardi 6 mai, je crois que c'est ça, 6 mai. Ah bon, bonjour, ça va? Mardi, hello. On attendra peut-être que. C'est le lundi de 6 mai. Alors c'est le 7, c'est, parce que c'est nous, c'est le mardi à Coulanges, c'est tous les. Ouais, parce que. Une fois par mois, le mardi. C'est le jeudi. On attendra que Claire soit là, puisqu'elle nous parlera aussi de Fakir à ce moment-là. Il y a une petite info, on a été contacté par France 5, l'émission C'est politique. Ils veulent faire un reportage sur. Ils sont passés devant lui, mais il y en a un qui a carrément pris, qui a matraqué le monsieur, mais ils ont serré aussi le chien parce que, voilà. Et puis c'est quelqu'un qui a essayé de. Qui l'a tiré vers lui pour qu'il échappe au CRS. Hein. Mais gratuitement pour. Ah oui, ouais, mais Castaner, il dit que c'est pas vrai que les flics ne m'attraquent pas. Mais uniquement les conséquences, je vais parler un petit peu quand même, parce que ça coûte cher. Alors, l'argent pour tuer, oui, il y en a, ça, hein. Mais l'argent pour la vie, il n'y en a pas. C'est tout ce que je veux dire. Mais juste, j'ai parlé de la des Black Blocs parce qu'ils étaient là, que c'était un rendez-vous à eux. Mais pour situer une ambiance festive, à Bercy, qui était le lieu de rassemblement, le but. On était le plus nombreux, les gens distribuaient de la friture et des œufs en chocolat pour Pâques. Hein. Vous voyez, on n'est pas dans des gens méchants, quoi, sérieux, quoi. Il n'y a aucune justification à la façon dont on a été traité. Et effectivement, après, il y en a qui pètent les plombs et à la fin de la marche, qu'ont peut-être eu des paroles malheureuses, mais il faut bien voir que pendant 2 heures, on a été maltraités. Donc à un moment, que les mecs ils dérapent et qu'ils aient des paroles que les médias se font une joie de relayer pour nous faire une mauvaise presse. Juste avoir été pendant les 2 heures à voir ces mecs qui arrivent de partout, on ne sait pas pourquoi, qui chopent n'importe qui, il n'y a aucune raison. Les gens, ils sont là, ils sont en train de causer, vous avez 4 gugus qui arrivent, ils chopent dessus, ils les embarquent, on ne sait pas pourquoi les mecs, ils causaient. Donc visiblement, ça s'est passé dans d'autres villes aussi comme ça, je ne sais pas, Bordeaux, je ne sais pas, parce que maintenant, ils ont la consigne de Castaner et des préfets, donc d'aller au contact. C'est pour ça qu'on les voit chargés. C'est vrai qu'on a vécu beaucoup de violence, même à Dijon, effectivement, mais ils n'allaient pas au contact, presque jamais. Maintenant, c'est des hordes entières de CRS, de machin, qui font et qui vont au contact. Et ça, c'est la nouvelle consigne depuis 15 jours. Là déjà, ils utilisent des armes de guerre. Déjà, là, on vient de relire. Juste avant de venir, je vais relire. Il y a une quel journaliste a sorti que le fameux LBD maintenant multicoup. En fait, il est classé. Quand ils l'ont sorti en France, là, il y a deux mois, ils n'avaient pas dit, ils n'avaient pas annoncé ça. Là, ils viennent de le vérifier. C'est le Canard Enchaîné, voilà, qui l'a vérifié. Cette arme, en fait, au niveau international, elle est dans la catégorie arme de guerre. C'est pas du tout une arme de maintien de l'ordre. Pas du tout, du tout. C'est des armes de guerre. Donc, des armes de guerre, par définition. Ça fait pour tuer. C'est fait pour tuer. Et la police, normalement, ils n'ont pas le droit de l'avoir. Ou la gendarmerie, normalement, aucun flic n'est formé pour utiliser ces armes-là. Il n'y a aucun qui est formé à l'avoir. Comme tu entends le flic là, qui dit ça, le commandant de police qui dit. Il ment. Il ment tout le temps. Il dit ça, et puis en plus, il dit mais alors, ça fait quand même pas mal de temps qu'il n'y a pas eu des bandits. C'est fou, en plus, ça dit qu'il y a eu un mec qui a un œil crevé. Non, mais attends. Un jeune mec qui a encore bien. Ils peuvent dormir tranquille, ces gens-là. Ah, mais ça, ils n'ont pas de conscience. Et quand tu dis un juge, si t'es vous, t'es puni, mais attends, on va arriver. Ce que je veux dire au départ, par rapport au LBD, au départ, c'est des lance-grenades qui ont été modifiées. Et au docteur a mis des balles en caoutchouc. Mais au départ, c'est des armes pour lancer des grenades, pas des grenades défensives, des grenades offensives. Donc, c'est dérivé d'une arme de guerre. Et on l'a ramené aux civils en mettant des balles en caoutchouc. Voilà. Ça, il faut en parler, la journaliste. Bah, écoute, il faut. Après, il faut voir. On l'a laissé faire son reportage quand même. Après, on n'est pas là pour orienter son reportage non plus. Mais... Elle attend nos idées sur les déclarations.
déclaration de Macron, je pense qu'elle va être chargée. Elle va déjà repartir avec de la matière. On va prendre sur soi, puis on va faire plus ça. Après, tu vois, pour revenir... Si le loup, c'est pour toi. Quand je suis allé au rond-point samedi soir, que je vous ai retrouvé en fin d'après-midi, France Inter annonçait à la radio, pendant que entre Migène et rond-point, ils annonçaient que c'était le jour où il y avait eu le plus grand nombre d'arrestations. Donc ça correspond à ce que tu dis. Avec pour situer, nous, comme on avait un ami qui était dedans, les camarades qui étaient encore en local, ils sont allés mardi au tribunal où on leur avait dit qu'ils seraient présentés. Ça a commencé à 14h, notre pote est passé dans les derniers, ça s'est fini à 3h41 du matin. Qui peut prétendre qu'on n'a pas une justice équitable à 3h40 du matin? D'après les camarades sur place, les juges et les avocats, ils se plantaient dans les mots tellement ils étaient à garde de fatigue. Bah, bien sûr. Et pour avoir cet interposé et une arrestation, il a pris un mois avec sursis, quoi. Allô? Là, le mec dangereux. Il a vu une femme qui se faisait arrêter, il a réagi. Que je pense que l'essentiel des hommes dans cette salle, vrai. Ça vaut un mois de prison. Enfin, en sursis, mais on va dire que ça ne va pas être arrivé encore une fois. Bon, mais ce qu'il y a, c'est que les gens, ils sont jugés tout de suite. Et les policiers s'en attendent. Ah ben, pour info, il y a beaucoup d'avocats qui travaillent, et il y a beaucoup de dossiers qui sont constitués, il y a tous ceux qui travaillent. Alors à la fois pour envoyer à l'ONU, pour envoyer à la justice, parce que les affaires sont quand même signalées, hein. Ça mettra du temps, mais elles sont quand même signalées. Alors ce qui est un peu aberrant, c'est qu'on se rend compte que là, il y a même des préfets qui viennent d'être condamnés pour quelque chose de 2010. Parce que des préfets en 2010, pendant les grosses manifs à Toulouse ou je ne sais pas où, avaient organisé des nasses et avaient gazé, c'est interdit. C'est interdit, ils n'ont pas le droit de faire ça. Les mecs, c'est 2010. Et ils sont des préfets quand même. Ça veut dire que ça peut arriver, mais on peut même attaquer, condamner les préfets. Je m'attendais pas à ça. Non, mais il y a Jérôme. J'avais mis juste l'essentiel. Non, mais Jérôme m'a redonné. Parce que je suis retourné, du coup, ramené. Il m'a quand même fait un grand sac, hein, t'as vu, là hein. Il m'a fait un grand sac, mais entier, hein. Alors, il y avait des. Mais c'est lui de la pub, ce mec-là, il est où? Non, mais j'ai fait, j'ai envoyé un mot. J'ai envoyé un mot. Moi, aller le voir personnellement, de remercier. À la ZUP. La ZUP, la rue de la Croix. Mais parce que moi, je vais acheter que là, maintenant, tu vois. Mais on est d'accord. C'est vrai qu'il est cool. On est bien d'accord. Et donc, quand je ne savais pas trop quoi mettre exactement, moi, je lui ai dit. Les basiques, un peu de pansement, un peu de machin. Donc il m'a donné. Non, mais c'est pas ça, c'est que du coup, j'étais content de moi, je suis retourné. Il y avait plus Jérôme, je sais plus. Ben oui, toi aussi. Donc avec mon sac plein. Et il m'a dit, reviens mardi ou mercredi avec une liste, je te donne. Si on tient sur la liste, c'est sympa. Donc je suis allé ce matin. Chapeau. Et ce soir, le sac était prêt et le sac, il est là. Donc comme quoi, c'est complètement. Cette petite action de samedi a débouché sur ça. On a quand même eu un contact. Effectivement, je n'ai pas appelé, mais je vais rappeler le fabricant de produits faux. Je rappelle une nana. La pharmacie de. Il faut qu'on y repasse. La pharmacie de l'Intermarché à la ZAC nous a pas du tout jeté. Elle a dit qu'il faut passer voir le patron. Et en fait, le patron, il peut tout à fait faire ce que ce pharmacien a fait. C'est-à-dire que le problème, que si on désigne trop la finance, ils vont nous provoquer une guerre avec nos voisins. Et donc pour ça, il faut s'associer à nos voisins, gilets jaunes, pour faire masse et ne pas tomber dans les pièges qui vont nous tendre, en gros, tout simplement, et pouvoir en effet tenir tête et faire basculer tout un système ensemble par la pression, parce que le fait de s'associer, il risque de lâcher beaucoup de choses, alors que si on est isolé, la France, de notre côté, je ne suis pas sûr qu'on arrive au bout de nos
face au monstre qu'on a en face, hein, que ce soit CETA, TAFTA, GETA, machin, truc, et tous ces traités qu'on a signés et qui vont essayer de nous faire payer d'une façon ou d'une autre, il faut dire non, on ne paye pas. Mais pour leur tenir tête, c'est soit d'une façon armée, et ça, il faut l'éviter, soit il faut s'associer à nos voisins, à mon avis. Il faut construire. On va essayer de résumer après. Après, il y a une chose qui était présente, c'était la coopération des peuples. Et vraiment, l'Union vraiment européenne a sa naissance. C'était l'Union de la communauté européenne. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une union des peuples pour pouvoir commercer. Mais là, ce qui s'est passé, c'est ça, c'était en 56, en 73. Il y a eu justement ce pouvoir qui a été donné à la finance, et de là est née l'Union européenne. Il ne faut pas tout remettre en cause. Il faut simplement remettre en cause les traités ultralibéraux et les traités capitalistes. C'est ça qu'il faut remettre en cause. Et rester justement sur un socle européen, mais un socle des peuples. Et plus sur un socle de finance. On est d'accord. Et dans un deuxième temps, pour répondre à l'analyste, effectivement, l'uranium, il va peut-être le payer 15 fois plus cher. D'accord ? Mais qui c'est qui se gave pendant des années et des années et des années ? Qui c'est qui s'est gavé avec l'uranium ? C'est pas le peuple union, c'est Arnaud. On parle de l'union des peuples, etc. Mettre en commun, je ne sais pas, l'idée que les importations doivent être limitées à tant de kilomètres pour de facto limiter toutes sortes de d'émissions, quoi. Sachant que le moyen de transport le plus polluant, c'est le bateau, et que 80% du commerce est maritime. Faire venir des oranges du Brésil, c'est pas possible. Ouais, voilà. Ça fait 30 000 bornes. Ça fait cher l'orange sur le plan CO2. Du coup, politique de pays en commun, voilà, à l'échelle de l'Europe par exemple, ouais. Limitation des importations à passer une certaine distance, alors après à fixer. La solution, je pense, qui va devoir être amenée à prendre, c'est peut-être de diviser par 10, peut-être de diviser par 15, de diviser par 20, nos consommations à nous. Voilà. Ça, je pense que c'est comme c'est ça qu'il faut réfléchir. La partie écologique. C'est que si aujourd'hui, moi, par exemple, je consomme 200 litres d'eau, moi, tout seul, tous les jours, peut-être que demain, il faudra que j'en consomme 20, moi. Et que c'est à moi de faire que demain, je sois à 20 litres d'eau et non pas à 200 et tous les jours, et du 1er janvier au 31 décembre. Tout comme moi je veux répondre aussi au fait que tu dis ça va nous coûter cher, moi je m'inscris en faux, parce que jusqu'à présent je pensais que la voiture électrique était une solution. Le jour où j'ai appris qu'il y avait des enfants de 4 ans qui vont chercher les minerais parce qu'ils aident les plus grands qui ont 8 ans, etc., etc., et qu'il y a des gamins de 4 ans aussi dans les mines qui tiennent des barres de fer, et ce sont ceux qui ont 12 ans qui écrasent la fameuse barre de fer avec des masses, et quand ils ratent la masse, et bien là, effectivement, il n'y avait pourtant pas des grenades, ils n'étaient pas en manifestation, mais ils n'ont plus de bras, ils n'ont plus de mains, ils ont machin. Bon, donc, moi, depuis ce jour-là, je ne veux plus de voiture électrique. Moi, je veux des transports en commun, et même des transports en commun gratuits. D'accord, oui. Mais... Et ça, il faut qu'on s'organise. Ça fait partie de nos revendications de base. Hein. Dès le début, on a parlé de ça. Ah, c'est tout gratuit chez nous. Gratuit et pas gratuit. Oui, ah, d'accord, mais tout est nationalisé chez nous. Par rapport à nos impôts, ils payent les... Tout comme à l'international, moi, ce qui m'intéresse à l'international, c'est que, là, tu parlais des peuples, mais il y a un truc qui me paraît encore là, hyper grave. C'est tous les gens là qui aujourd'hui sont dans des îles à 1,50 m de la mer. 1,50 m. Ben, vous imaginez ce que c'est 1,50 m. C'est-à-dire demain, il y a n'importe quoi, ils sont... Ah, mais Tuvalu est déjà submergé, hein. Oui, mais c'est ce que disait Cousteau même dans les années 70. Ouais, on retrouve ça dans les documents de l'INA. Il expliquait que de toute façon, il y allait avoir énormément de gens qui allaient se déplacer de leur territoire parce que soit il y aurait trop de sel, soit il n'y aurait pas d'eau, soit il y aurait trop de sable parce que trop de soleil, machin, etc. De toute façon, il n'y aurait plus à bouffer. Donc, de toute façon, ils vont partir. Mais ils vont partir par centaines de millions. Donc, il va bien. Enfin, moi, s'ils arrivent, on ne va pas les tuer un par un. Enfin, moi, je ne vois pas les tuer un par un, en tout cas, personnellement.